Je t'ai écouté religieusement sur le côté, c'est une chanson sublime. Et tu as connu la femme, elle s'appelait Louisette. Oui, je t'ai compris, tu t'appelles Louisette. Et quand elle est venue jusqu'à presque 6 jours avant sa mort, dans le spectacle, elle était à l'extérieur, en plein air, elle avait un turban sur ses cheveux, elle n'avait même plus de cheveux et elle me regardait. C'est pour vous dire que les artistes ont aussi l'amour de leurs fans. On regarde le public, il y a toujours quelqu'un qui nous rappelle quelqu'un. Et ce quelqu'un, quand il n'est plus là, on l'a dans la tête, on se rappelle. Parce que on vous aime. Si vous ne vous aimez pas, on ne serait pas là. Sans vous, on n'existe pas. Sans vous, on n'existe pas. Sans vous, on n'existe pas. Une chanson que j'ai jamais su chanter. Non, c'est pas celle-là, parce que tu es venu une chanson avant, tu sais que j'en ai fait 3. T'en as fait 3? Ben oui. Alors je me suis dit, elle est venue par l'émotion, il arrive déjà. Je voulais que j'étais venu par la chanson, parce que voilà, je suis arrivé. J'ai fait un votre madame. Et si seulement tu m'avais dit, sauf que peut-être tu veux me jeter tout de suite. Non, chante, parce qu'on t'aime. Vas-y. On va en faire 2 si tu veux, au moins une. Allez, au moins une et même deux, d'accord? Merci, Nadia. Alors, je vais vous faire une petite chanson. On a demandé un jour, et beaucoup le savent déjà, si, comme je suis presque à la fin de ma vie, il faut le reconnaître quand même, j'arrive toujours. Non, mais c'est vrai, je suis dépassé l'automne, là, maintenant, je suis près de tout près d'hiver. Et quand on m'a demandé d'écrire une dernière chanson, m'a dit, qu'est-ce que tu écrirais? Alors, j'ai pensé d'écrire une chanson d'abord. Pour celle que j'aime, qui est canadienne, et chez elle, quand on va chez elle, quand je l'ai connue, on ne dit pas « viens chez moi ». Là-bas au Canada, on ne dit pas ça. Quand elle vous invite, elle m'a dit autre chose. Alors quand on s'est connus, elle m'a dit « mais viens chez nous ». J'ai dit « attends, tu ne vis pas tout seul ». Elle m'a dit « si, chez nous, c'est chez nous ». Elle m'a dit « parce que chez moi, c'est pas chez nous, c'est chez moi ». Alors j'ai écrit une chanson pour elle, comme si c'était ma dernière chanson, et ça s'appelle « quand je suis loin de chez nous ». Mes yeux se bougent sur mon visage.
ce groupe qui se veut l'album, que j'aurai le plaisir de vous dédicacer après le recital de Mike Nelson, ça sera bientôt, et puis de vous retrouver juste après pour un peu de fois vous serrer la main, vous embrasser, faire une photo. Et vous ne partez pas sans vous serrer la main, parce que je ne voudrais pas accréditer les paroles qui se disent, et vous dites quelquefois, France c'est pas prétentieux, c'est pas vrai. Je suis disponible pour tout le monde jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et croyez-moi, si avant je passe tout de suite, c'est tout simplement pour mieux me concentrer pour vous et le donner le meilleur de moi-même sur la scène. Et après, je suis tout à vous, mesdames et messieurs. La chanson ne sert à rien. Voilà. Mesdames et messieurs, on continue.